تعالي 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 يا وتعالي يا غزالي. Moi, je suis aussi pure que l'or. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce saccage? Vous savez bien que c'est mon unique plaisir, ce jardin. J'ai décidé de reprendre votre jardin. Oh, mais attendez au moins que je sois morte. Vous pourrez récupérer l'appartement pour vos coopérants. Les coopérants, c'est ça qui vous mine. Maintenant qu'ils se mettent à partir, vous êtes heureuse. C'est toujours cool, Madame Hoffman. Oh, mon Dieu. Un jour, je vais me retrouver sans les cheveux. Je passe par chez vous, Madame Costa. C'est plus rapide. D'information présentée par Lies Mansouri. Bonjour. Un rapport du ministère de la Santé fait état de plusieurs cas de maladie des yeux dues à la pollution de nos plages. Maria Karaman est allée à l'hôpital Mustapha. On écoute. Bonjour, Lies. Dites, Madame Costa, vous avez entendu parler de ces deux Français qu'on a tués? Ménage. Maquillage chez moi. Je te l'ai déjà dit. Au secours! Arrêtez! Madame Costa, arrêtez! Mais regardez-vous de quoi vous avez l'air! Tu es sûr que tu as mis de la javel? Tu en es bougé, madame? Tais-toi! Tant que je serai vivante, cette maison ne sera jamais transformée en bordel! Et moi, je serai jamais ta patma! Je ne vais plus t'entendre! On voit bien que ce n'est pas toi qui paye l'eau. Arrête, Myriam! Tu sais très bien que depuis que son fils est parti, elle a les nerfs à fleur de peau. Son fils, c'est pas son fils qui lui manque, Madame Costa, moi je le sais. C'est un homme pour la tenir, ouais. Raya, j'étais toujours restée. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, je ne peux plus. Tu le sais mieux que moi, les gens voient le mal partout. Tu as reçu des menaces à cause de moi? Moi? Je n'ai peur de personne. Je ne peux plus accepter que tu vives comme ça avec lui chez moi. Je ne veux pas qu'on dessine ma maison du doigt. Justement, Zor, j'ai pas eu le temps de te le dire, mais je me suis mariée avec Sidali. Je te promets, maintenant qu'il est marié, il ne jettera plus de mégots. J'ai pas fait exprès. Et pour qu'il se fasse pardonner, je t'envoie tout de suite quelqu'un pour le téléphone. Khaira, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, mais je peux voir ton livret de famille. Zor, on ne s'est marié que religieusement, bien sûr. Vraiment? Mm-hmm. Je vous ai pas entendu faire la fête. On a fait ça chez ma mère. Ah bon? Maintenant que tu es mariée, tu vas te trouver du travail. C'est un artiste. Il ne peut pas travailler. Mimiche, c'est déjà votre semaine au Sahara? Oui, c'est ma semaine au Sahara. Je suis en retard. Ciao tout le monde. Moi aussi, je suis en retard. Réna, tout le monde bonheur. Ciao, Sid. Au revoir, Zor. Merci, Mimiche. Madame Hoffman, si je peux faire quelque chose pour vous, je suis là. Tiens, tu vas changer mon nom en bas. C'est pas ma faute, il est tombé tout seul. Il aurait pu se casser une jambe. C'est pas vrai. Elle n'arrête pas de jouer avec l'eau. Tu t'es fait mal? Mais madame, c'est toi qui m'as dit de mettre de la javel. Tais-toi! Ouais.
ça va, c'est pas grave. Elle s'ennuie. Elle a trop chaud. Elle a envie d'aller à la plage. Elle a envie de se retrouver à la rue, oui. Et même la rue ne l'avait pas. Il n'y a que l'asile pour elle. Que l'asile. Bon bah, ciao tout le monde. Tu ne veux pas changer? Non, 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 il faut que je file. Bon, je me sauve. C'est une véritable piscine. Heureusement que j'ai mon maître nageur. Monte vite, madame, sinon tu vas devenir trop blonde et après tu vas encore crier sur moi. Bonne journée, madame Ousmane. À vous aussi, monsieur Stoliarov. Sakina! Sakina! Quoi? Tu peux venir? J'arrive, maman. Ça va pas? C'est Nasser? Tu l'as appelé? Il n'y a plus de lui. Nasser? Kaina! Maman, il n'y a personne. Oui, je sais, ma chérie, pose ça. Tu as pris une décision? Tu veux l'épouser ou tu ne veux pas l'épouser? Je veux l'épouser lui, pas sa mère. Je veux qu'il se décide tout seul sans sa mère. Je veux l'épouser lui, pas sa mère. Kaina, non, non, je laisse le téléphone. S'il te plaît. Sakina, la tonalité. Qu'est-ce que vous m'avez passé? Sakina, tu viens? J'ai besoin de toi. Maman, ça ferait plaisir à Yasmine de venir avec nous à la fête. Bien sûr que tu peux venir, Yasmine. Ça va te changer les idées. Comme ça, tu sentiras un peu moins l'absence de ton mari. Venez. Allons discuter dans la salle de bain. Mais qu'est-ce qui me prend? J'ai pas du tout envie d'aller à cette fête, moi. En plus, je connais personne. Je veux pas être toute seule. Toi, tu n'as encore rien dit à ta mère. Sakina, tu viens? Pourquoi tu lui caches tout? J'arrive, maman. C'est lourd. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre pour la fête, toi? Oh, je sais pas, avec la chaleur qu'il fait. Tu vas quand même pas y aller toute nue. C'est quoi ces trucs? Ça va, ma couleur? C'est trop clair. Plus foncé, ça m'édourcit les traits. Tu ne trouves pas qu'il est plus épais que l'autre? Myriam m'a loupé. Viens sur le balcon, on verra mieux au soleil. Non, j'ai pas envie. Allez, viens, on n'y voit rien ici. Pas trop faim. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Tu as pleuré? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu trafiquais avec le téléphone? Si tu attends un coup de fil de ton père, tu te souviens qu'il n'appelle jamais. Il est trop occupé. Tata Arabia ne devait pas te téléphoner pour dire si elle venait à la fête? Tu me fais mal! Oui, je t'ai fait mal! De qui tu attends un coup de fil? Et depuis quand il remarche, ce téléphone? Je ne sais pas. C'est bien que si j'apprends que tu as été demandé à la veuve, ça va barder. Pourquoi vous n'êtes plus copine? Sakina, ne m'énerve pas. Je vais la virer. Je veux louer plus cher. Ce n'est pas avec ce que ton père nous envoie qu'on va pouvoir continuer à vivre. Je peux déjà commencer par louer celui d'en bas? À quoi cela te sert d'aller à la fac si tu ne comprends rien? Tu n'as jamais voulu savoir comment tu avais la belle vie. Donne! Ton père, lui,
Il continue à s'édorer les fesses. À Aix, avec sa française. Je te mets ton masque. Non. Encore un peu là. C'est pas fini. Non, c'est bien comme ça. C'est bien que tu restes toujours la femme de papa. Oui. Et pendant ce temps-là, c'est la traînée qui profite de lui. Et pas nous. Il va tout lui donner. Chut. Il est capable de lui mettre les hôtels à son nom. Maman. Si tu continues à parler, tu vas avoir des rides. Je laisse bien sécher au soleil. Hé, hey, là-bas! Hé! Hey, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Sakina Bouchama est là? Qui tu es, toi? C'est pas ici qu'habite Sakina Bouchama? Je suis son professeur. Tu peux l'appeler? Ah, tu connais Sakina. Qu'est-ce que tu es beau. Tu peux lui dire de descendre? Et voilà, je le savais. C'est toujours comme ça. C'est toujours les riches qui ont les beaux gosses. Mais les beaux riches comme moi? Jamais! Au grand jamais! J'en ai marre de cette maison! J'en ai marre de cette vie! C'est toujours les riches qui ont tout ce qu'ils veulent. J'en ai marre. J'en ai marre de cette vie. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Oh, ça va, ça arrive. Marie-Anne! Elle t'a vu? Je sais pas. Tu es fou d'être venu. Ton téléphone marche pas. Tu es belle comme ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu ne peux pas rester là. T'inquiète pas, Sakina, on n'a plus rien à cacher. Tu vas me présenter, puis voilà. Pas maintenant. Pourquoi? Myriam, il n'y a plus d'eau. Ils ont coupé l'eau, madame. Ruth, je te jure que je vais t'enfermer dans un asile. Ne me regarde pas comme ça. Va me chercher une bouteille d'eau. Tu ne veux encore y aller? C'est ça. Écoute-moi, Sakina. Je ne vais pas encore attendre 3 ans. L'eau, madame. Qui a demandé Sakina? Ah, je sais pas, madame. Myriam. Un homme, madame. Il dit qu'il est son professeur. Sakina, qu'est-ce que tu fais dehors? Que vont dire les gens? Depuis qu'il n'y a plus d'hommes chez nous, il a dû laisser aller. Ne restez pas dans la rue. Rentrez, si vous avez des choses à vous dire. Sakina, tu as honte de moi? Tu ne veux pas présenter ta mère? Nasser Boumerza. Je suis très content de faire votre connaissance, madame Bouchama. Je suis professeur de biologie à la même faculté que Sakina. Bravo, si jeune. C'est pas comme ma fille. Sakina vous a sans doute prévenu. Ma mère sera à la fête demain. Votre mère? Pourquoi? Je la connais. Sakina ne vous a rien dit? La mère de Nasser veut te rencontrer. Pourquoi ça? Elle veut me demander en mariage pour son fils. Une demande de mariage.
Madame Haussmann. Tu vas rester en pyjama toute la journée? Qu'est-ce que tu veux? Madame Haussmann, il n'y a plus d'eau. C'est pas normal. Madame Costa! Madame Costa, vous avez de l'eau chez vous? Il va mettre tout le quartier. Les citernes se sont vidées complètement. Quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de 3 jours que l'eau est coupée à Alger? Sans qu'on soit au courant? C'est ça? Madame Haussmann, je vais monter à la terrasse vérifier les citernes. C'est ça, Phil. Où tu vas? On va acheter des glaces, madame. Fais vite. Bon, on ne veut pas continuer à discuter comme ça longtemps. Moi, je ne peux pas vous recevoir. Vous connaissez les gens, ils parlent trop. Son père et son frère sont en France pour le moment. Votre mère peut venir quand elle veut. Tout est encore dans les cartons, tu te rends compte? Il faut refaire les peintures, acheter de nouveaux meubles. On vient d'aménager en haut. Ma mère est une femme très simple. Il ne faut pas vous déranger, madame. Excusez-moi, je ne sais pas comment vous appeler. Je suis toujours madame Beauchemin. Haussmann, c'est mon nom d'ancienne combattante. Et si j'ai fait la guerre, c'est pour qu'il n'y ait plus de différence. Madame Haussmann reçoit tout le monde. On est tous des Arabes. Oui. Mais tous ne connaissent pas les usages algérois. Ce n'est pas encore le protocole de la cour de Versailles. Mais les choses doivent se faire dans les règles. Au revoir, jeune homme. J'ai pensé que ma fille voulait m'amener à la fête pour m'échanger les idées. Non! C'est pour me faire rencontrer ses amants! C'était plus simple pour sa mère! Tais-toi! C'est vraiment pas le moment de demander en mariage! J'ai 25 ans! Tais-toi, ne discute pas! Il me demande en mariage. Ça, c'est la plus belle. Dieu, que c'est de te marier! Ça, c'est la meilleure! Cette chienne a encore fermé la porte à clé! Regarde-moi. Tu veux me quitter? Tu es malheureuse avec moi? Non. Tu tiens bien de la race de ton père. C'est bien fait pour moi. J'ai ramassé ton père dans les maquis. Je l'ai civilisé. Il part. Ton frère, je l'ai fait réformer du service. Il part. Et toi? Quand tu auras un homme, tu partiras. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Allez. Embrasse-moi. Tu appelleras ton père pour lui annoncer la nouvelle, d'accord? Ça ne servira que tu n'es pas une bâtarde. Et dis-moi, ma fille, c'est une bonne famille au moins? Qu'est-ce que fait son père? Il est mort. Dieu soit loué. Au moins, tu n'auras pas un beau-père sur le dos. Comme rien m'arrive, tu lui fais bouffer sa glace. Maman, je préférais que ce soit toi qui appelles papa. C'est normal. Vous pourrez être mon fils. Mais je veux pas être votre fils. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Moi, je vous ai toujours admiré. Tu n'as pas honte? C'est une chose naturelle. Vous avez froid?
Tu as vérifié la vanne? Quelqu'un a voulu bouger la tour. Ça y est, le circuit. Vous entendez? Cette maison me rendra folle. Qui a pu faire ça? William? Moi, je connais un exorciste à Oran quand il soigne ses cours de beau. Il va lui chasser sa folie pour toujours. On pourrait partir à Oran. Là-bas, c'est la Suisse. Attention, c'est la vie. Tu n'es pas encore en train de me jouer un tour. Une ancienne Mujahida. Ah bah si je te trahis, tu peux faire ce que tu veux. Sidali. Rhabille-toi. Sakina, tu dors? Thank you.
Vous avez nouveau voile. Les femmes qui se voilent comme ça, ou bien sont très 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 belles, ou bien sont très 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 laides. Mais celle-là, je crois qu'elle est très 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 laide. Hein. Arrête, Myriam. Et si elle t'entendait? Madame, avec tout ce qu'elle a sur la tête, elle risque pas de m'entendre. Son mari, alors? Regardez-le, madame, il est trop beau pour elle. Tu sais qu'on m'a parlé d'un très bon exorciste à Oran? Tu comptes aller à Oran? Bien sûr, et alors? Oh, madame, moi j'adore Oran. Tu connais Oran? Non, mais on dit là-bas que c'est la Suisse. Hein. Et qui t'a parlé de cet exorciste? Des gens. Il paraît que quand ils soignent, c'est pour de bon. Vous comptez y aller comme ça, toute seule? On part pas comme ça, on part voilé et en avion. Madame, moi je veux un voile rose. Je crois que c'est pas le moment de faire du tourisme. Tu vois, Yasmine? Sakina a peur pour ma réputation. Elle est devenue l'homme de la maison. Mais non, elle a juste peur pour vous. Et vous n'avez pas entendu, on a tué deux Français à Oran. C'est pas à Oran, c'est dans la région d'Oran. Ce n'est pas parce que deux Français qui traînaient là sont morts qu'on va arrêter de circuler. J'en ai tué plus que ça des Français, moi. À 17 ans, je transportais déjà des armes pour les maquisards. Vive l'Algérie, madame, dans toutes ses frontières! Et à 25 ans, j'avais déjà deux enfants, moi. Eh bien, moi, à 25 ans, j'ai fait encore aucune de ces conneries. J'ai la vie devant moi et j'aime un homme. Profite! Profite! Ça va pas durer longtemps. Avec tout ce qui vous attend. Moi, je m'en fous. Je suis finie. Madame Osman. Tu vois bien que tu lui fais. Madame, ne pleure pas. Après tout ce que j'ai fait pour eux. On n'a qu'à leur faire couche avec l'ennemi. En France, on n'aime pas les Arabes. Pourquoi on prenne nos hommes? Et toi, si c'est pas avec ta mère? J'aurais dû faire comme Raïla, mettre des hommes dans mon lit. Je n'ai pas voulu. Je ne vais pas les faire souffrir, elle et son père. Ça va. Personne n'a oublié ses papiers? Mariam? Non, madame. Maman, je vais faire pipi. Pas maintenant, mon ange. Vous êtes à l'écoute de Radio Alger. Bienvenue dans votre émission Croque la vie. C'est Katia qui vous accompagne jusqu'au flash d'information de 16h qui sera présenté par Jamila Moussa. On continue avec la musique. Maintenant, on va passer du blues au shabby. On écoute l'inoubliable Inca qui va nous chanter Win Sade Win. Win Sade Win. Dis-moi, Yasmine, tu ne trouves pas que ta robe est un peu courte? J'ai apporté une mansouria. Si ça dégénère, je la mets. Ça va, on est presque arrivés. Si je dis ça, c'est pas pour vous embêter. On peut tomber sur un faux barrage. C'est qu'il fait tellement chaud. Va expliquer ça à un barbu. Madame, avec ses grandes jambes, elle va les exciter. Vous avez remarqué, on est les seuls sur la route. De réécouter cette magnifique voix du fado. Juste avant, j'ai une question à vous poser. Quel est l'homme politique actuel portugais qui a écrit un poème chanté par Amalie Rodriguez pendant qu'il était réfugié chez nous? On aurait dû laisser la capote fermée. Pourquoi tu as toujours peur? Je n'ai pas peur, pas la peine de se faire remarquer. Non, il n'arrête pas les femmes. Aïe, laisse-moi parler. Madame, ils sont beaux. Mariam, arrête. C'est vrai qu'ils sont beaux. Nos sœurs, au secours. Tu as remarqué, Yasmine? Ma fille, c'est habillée en femme pour faire bonne impression à la mère de son sœur. Allez, on repart, on va être en retard. Où êtes-vous? Valeureux paysan, pour venir au secours d'une ancienne jeune. Il aurait de la chance, le paysan qui tomberait sur nous. Yasmine, c'est ce que tu me souhaites. Pauvre de moi. Au fait, Sakina,
Qui nous a pas dit? C'est Nasser, il est d'où? Rejbel Saltas. Mais qu'est-ce que tu nous as ramassé? Franchement, j'ai pas de chance. Il faut toujours que les barbares me tombent sur la tête. Vous ne pouvez pas nous trouver autre chose pour nous sortir un peu de cette boue? Et un général de l'armée, madame? On croit qu'elle est folle. Ben non. Elle connaît son intérêt mieux que nous. Voilà! Maintenant, elle veut nous étouffer. Tu m'en donnes un peu? Tu connais la salle des Vettel Andalus? Idiote. Tu penses qu'il connaît? Recherche la salle Andalus? Oh, excuse-moi, je t'ai pris pour un garçon. Tu sais où c'est? C'est l'avant, face à la mer. On étouffe. Maman, c'est là où j'ai fait pipi. On a tourné en rond. On va repasser par le même barrage. Ils vont trouver ça louche. Madame, on va leur demander notre chemin. Mais où tu vas? Comme ça, on passera pas par le même barrage. Oh. Je sais pas où on va, mais on y va. On respire plus. On va mourir. Où est cette foutue mer? Sakina. C'est sûr que c'est ici? Oui. Madame Haussmann, allons, j'ai connu une église transformée en boîte de nuit. Ah bon? Qu'est-ce que tu as connu d'autre? Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Merci. Aïe, Sakina. Ton Nasser s'est rasé la moustache. Vous partez ou vous arrivez? Je vois Sakina, je suis contente de te connaître. Maman, c'est qui la dame? Je suis très heureuse que mon fils soit tombé sur une bonne famille. Je vous remercie, madame. Vous avez un très gentil garçon. Nasser est très sérieux. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne sort pas. Il est tout pour moi. Mon père, mon mari, mon fils. Je te récupère dans 3 heures. Que Dieu vous le garde. Sakina, c'est qui la dame? Tais-toi un peu. Allez, allez, on rentre dans la salle. J'arrive. Non, ça va pas du tout sans la moustache. Marianne. Sakina. J'arrive. Non, mieux le haut que tu l'as. Sakina, tu as oublié le fleur. Oh, Myriam!
Salut, Osman. Mon Dieu, je me suis dit, j'espère qu'elles ne sont pas tombées sur un faux barrage. Mais non, Rabia, non, oh. C'est perdu. Ma sœur, je la viens. Yasmine, ça va bien. Tu fais la tête? C'est pas le moment. Viens, faut que je te parle. Tu peux me donner le numéro de téléphone de ton père? Pourquoi faire? Et pour la demande en mariage. Madame Haussmann veut que les choses soient faites dans les règles. Alors je vais te demander à ton père. Tu sais bien qu'il est en France. C'est plus simple de tout régler avec elle. Tu as un père, oui ou non, mademoiselle Bouchama? Tu as un père, oui ou non? Oui. Je t'ai déjà dit de ne pas fumer en public. Moi, je préférais qu'on se marie dans une vraie salle des fêtes. Mais pas dans une église, ça porte malheur. J'espère que vous n'oublierez pas d'inviter ma mère. Ça va pas, pourquoi tu dis ça? J'ai bien vu votre manège. Auquel manège? J'ai bien vu que ma mère ne vous plaisait pas. C'est pas vrai ce que tu dis. Sakina, arrête de mentir. Je t'interdis de me traiter de menteuse. Alors pourquoi vous êtes arrivée en retard? On s'est perdu. J'espère que vous l'avez pas fait exprès. Vraiment, hein? T'es trop complexée. Sakina, il faut que tu saches. Si on se marie, ma mère, tu la verras tous les jours jusqu'à sa mort. Et notre intimité? Tu as peur qu'elle soit jalouse de t'entendre crier la nuit? C'est belle. Toi aussi, merci. Oh, merci, il fallait pas. Excusez-moi, je vous ai même pas vu arriver. Mais je suis vraiment dévorée. Tu as pleuré? Non. Où tu es passée? J'ai envoyé Mariam te chercher. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venue. Bonsoir. Bientôt, ça sera le tour de Sakina. Pas encore, pas encore. Il faut qu'elle finisse d'abord ses études. Oh, études ou pas études, de toute façon, il n'y a pas de travail. Il vaut mieux qu'elle se marie, non? Bon, il faut que j'aille me changer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, ma chérie, j'arrive. Non, il fait de l'or. Super, Fabella. Merci. Excuse-moi, mais je suis un peu fatiguée. Non, mesdames, allez vous changer dans les toilettes, s'il vous plaît. Ici, c'est trop petit. Même la mariée n'a pas assez de place pour se changer. Pas nous, quand même. Tu vas pas nous envoyer aux toilettes? Oh, on ne peut pas faire autrement. Vous avez vu la rouquine comme elle est belle? Il a préféré prendre un homme marié que de rester célibataire. Si c'est pas malheureux. Il y a plus d'hommes en Algérie. S'il vous plaît, un peu de silence. Toutes celles qui ont des enfants sont priées de les mettre sur leurs genoux. Où est ta fille? Laissez-la jouer. Va la chercher. La chanson est dédiée à la mère de la mariée. Laissez-la danser toute seule. Merci. C'est trop. Je m'en fous.
Je trouve cette coutume vulgaire. Merci, fallait pas me marier, m'arrête. Tu viens danser? Tu es gentille. Laisse-la, elle sait pas danser, c'est pas sa musique. C'est quoi sa musique? Je vais danser avec elle, sinon elle va pas nous laisser tranquille. Vas-y. Tu trouves pas qu'elle sent mauvais? Non. Tatouage. Avec quelle figure je vais recevoir les jours? Ils vont dire que Madame Haussmann a donné sa fille à une tatouée. Zor, c'est l'homme qui compte. Professeur de biologie, quand même. Bon, et alors? Prof algérien, tous des bourricots. Je suis sûre qu'il lui a fait quelque chose. Il a ensorcelé. Pourquoi, il est moche? Non, il est vicieux. J'ai vu ça dans ses yeux. Il a plus envie de la mère que de la fille. Zor. Je te jure, Ravia, ne ris pas, c'est grave. Je ne veux pas qu'il fasse de ma fille une vicieuse. J'ai peur que ce soit trop tard. Elle doit aimer se faire piloter par le cutteret dans le couloir de la fac. J'en peux plus. Pourquoi tu t'es mis cette perruque? Je n'aime pas du tout. Ça. Mariem, va nous chercher à boire. Va. Mais si, madame. J'en ai marre. Mariem va chercher Kahina, Mariem va chercher Sekina. Lâchez-moi un peu. Hey, on a soif. Qu'est-ce qu'il y a à boire ici? Non, il n'y a plus rien à boire. Nashida, s'il te plaît. Plus tard, tout à l'heure, tout à l'heure. Ça, c'est une fête, ça? Vous appelez une fête? Hey, moi. 1, 2, 3, 16. Vive les filles d'Alger! Ouais! Vive les filles de Babel Web! Ouais! Couvre-feu ne nous aura pas! Ouais! Cette chanson est dédiée aux malheureuses ambiances! Oui, les ça n'a jamais été la spécialité de Badaluddin. Mmh. Tu devrais te les couper. Mais... Tu exagères, toi, hein? Et puis comment voulez-vous que je travaille dans un endroit pareil, moi, hein? Badaluddin. Et je vous préviens, dès que la musique reprend, je remonte, moi, hein? Tu appelles ça une salle des fêtes, toi? Mais vous êtes bête, hein? Vraiment, hein? Ce n'est pas une salle des fêtes. C'est une église. Si les Français y revenaient... Ça serait
Moi aussi. Yasmine, une amie. Son mari est en déplacement au Sahara. Je l'ai amenée pour qu'elle reste pas seule. C'est gentil. Une immigrée? Je ne suis pas une immigrée. Je suis algérienne. C'est une algérienne née en France. Ça n'a rien à voir. Excuse-nous, c'est comme ça qu'on dit chez moi. Mais dis-moi, tu laisses comme ça ton mari partir tout seul, hein? Elle a de la chance d'avoir un homme qui part tout le temps en déplacement. Moi, j'en peux plus. Le mien est un vrai pot de colle. Moi, je préfère qu'il soit toujours avec moi. J'ai besoin d'une présence. Tu as raison. Une présence masculine est indispensable. Ça va, il ne part qu'une semaine par mois. On remonte avec toi, ouais. Tu as de beaux cheveux, toi. Non, merci. Mais n'aie pas peur, non. Tu sais que je coiffe même Warda quand elle vient à Alger. Tu connais quand même Warda? Bien sûr que non. Merci pour tout, Godreddy. Fais-lui confiance. C'est un maître. Merci, ma belle. Hein. Ma meilleure cliente. Regardez-moi ce magnifique dos. Mmh. Il n'est caressé qu'une semaine par mois. Quoi? Elle s'est pris un homme marié, on vous a parlé d'elle. Une semaine pour elle et trois semaines pour la première? C'est ça. Et elles sont au courant toutes les deux? La rouquine? Oui, bien sûr. Elle est au courant depuis le début. La première, je ne crois pas. Les hommes, il faut jamais leur faire confiance. Merci. Hein? La musique, vite, vite. Je vous avais prévenu. Hein? Au fait, il fait quoi comme boulot, ton mari? Ingénieur à la Sonatrach. Dans le pétrole. C'est les plus beaux. Qu'est-ce que tu en sais? Et il fait quoi, le mari de la rouquine? Sonatrach aussi. C'est quoi, son nom de famille? Mohamed Aït Selmi. Mais tout le monde l'appelle Mimi. Ben quoi? C'est son surnom, hein? Bon, je n'ai rien à voir dans cette histoire, moi, hein? Zor, regarde, c'est la rouquine. Quel dos magnifique. Trop maigre. C'est bon cette limonade. Ça c'est comme un médicament. Ça fait digérer. C'est vrai que c'est bon. Viens t'asseoir près de moi. Tu as vu? Comme ça, tu pourras dire à ton fils que je suis une fille pas bien. Il ne reste plus qu'à nous faire attaquer par les barbus. Et on aura Daniel le gros lot. Ne vous inquiétez pas, l'armée nous protège. Hey!
va. Où est cette chienne de Marianne? On ne sait jamais où elle est. Excuse-nous, Fadila. Laissez-la sortir et prendre un peu d'air quand même. En 3 ans, elle ne s'est aperçue de rien. Je sais ce que c'est. Je suis passée par là, moi aussi. Ne recommence pas avec ça. Quoi? C'est pas vrai, peut-être. Ton père, il ne m'a pas laissée pour aller avec une autre en vous abandonnant, toi et ton frère. L'Algérien, quand il s'enrichit, il se prend une deuxième femme. Mais qu'on fait toutes. Tu ne vas pas sortir comme ça. Au moins, va te laver la figure. Sortez. C'est pas grave, maman. Mais oui, c'est pas grave. Allez, c'est toujours la fête. De toute façon, je vais tout refaire, hein. On peut visiter? Ici, on ne visite pas, ma fille. Ici, on prie. Laisse la dame prier. C'est une des seules couvas qui reste ouverte. Lui, c'est un grand saint, très grand, un grand savant. Mais les savants que Dieu. Avec ce qui nous est arrivé. Ne te dérange pas, ma fille. Pour retrouver mon fils, je connais toujours le chemin. Tu peux le garder, ton fils. Ce ne sont pas les hommes qui manquent. Ça qui est sur toi. Et voilà, tu as gagné, c'est ce que tu voulais. Allez, arrête. C'est pas des gens pour nous. Il te manquerait plus que ça. Une belle-mère tatouée. Attention, Sakina. Tu veux prendre des initiatives? D'accord. Mais s'il t'arrive quoi que ce soit, ne viens surtout pas me voir après. Quand même pas un juif. En plus, elle devient vulgaire.
Aria, j'ai peur. Je ne sais plus quoi faire d'elle. Il faut que tu m'aides. Tu peux rentrer du rame avant de sortir. La famille démarche. Sinon, je vais la massacrer. La sœur. La sœur. La sœur. Sarah, tu penses sérieusement qu'elle va se jouer la comédie? Faire comme si c'était rien passé? Ce qui est fait, est fait. Vous, les hommes, vous avez toujours eu le bon rôle. Je peux voir ma fille? Non, pas pour le moment. Regarde ce qu'on m'a fait! Regarde! Voilà! C'est le risque du métier. Écoute-moi bien, Mimiche. Si Yasmine veut divorcer... Je veux la garder. Mais si elle veut divorcer, je serai OK. Tu ne lui feras pas de problème si elle veut prendre la petite avec elle? Bien sûr que non, je suis pas un salaud. Mais si, tu es un salaud. Bon, on y va maintenant? Tu l'as appelé comment? Abdelkader. Essayez de la convaincre. Rien ne sera changé. Dites-le lui. Madame Haussmann, vous êtes une femme d'expérience. Si vous ne la faites pas pour moi, faites-le pour Karina. Dorénavant, Yasmine est comme ma fille. C'est à moi que tu vas devoir rendre de compte. Qu'est-ce que c'est que ce bled? Tu veux rentrer en France? Et qu'est-ce que tu feras là-bas? Caissière? Eh ben, c'est pas trop tôt. Mariam!
T'as pas trop chaud avec tout ça, toi? Zohor, arrête, sinon je rentre chez moi. Vous avez vu, elle fait exprès de nous retarder. Ça va, on a le temps. On ne sait jamais. Aujourd'hui, la mort est là à chaque coin de rue. Laisse-moi sortir. Vite. Rester ici, bloqué, jusqu'au couvre-feu. À quelle heure tu fermes? Le couvre-feu est 11h30 et moi je ferme 11h29. Hey, au fait, tu t'appelles comment? Jamal. Ciao, Jamal. Ciao. Mon Dieu, c'est des femmes comme ça qui salissent le pays. Sakina, depuis combien de temps Fadila connaît son fiancé? Sakina! 7 ans. Donc elle n'est pas vierge. Tu crois qu'elle s'est refait une virginité? Fabia, en 7 ans, ni accolade ni embrassade? Tu n'as pas remarqué ces temps tout à l'heure? Ils étaient bien noirs. C'est pas pour dire, mais c'est louche. Moi, à 45 ans, mes tétons sont toujours roses. D'abord, tu en as 55, et si tes tétons sont roses, c'est parce que tu n'as pas trouvé d'homme pour te les sucer. Mais qui t'a appris à parler? Attention, Zohon, c'est dangereux! Voilà, tu as réveillé la petite. L'Algérie ne va pas s'arranger. Tôt ou tard, Mimiche aura besoin de ta nationalité française. C'est un bon deal. Lui, français, et moi, la sultane number one. Et voilà. T'es contente? Tout rentre dans l'ordre. Sakina, tu ne crois pas que c'est assez ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive? Ce qui t'arrive? Sakina! Tu vas te calmer. J'en ai eu assez de toi aujourd'hui. Oui. Oui, rude journée pour l'ancienne combattante, hein? Raïra, tu lui piques son homme. Moi, tu m'humilies. Tu me forces à casser avec Nasser. Mimi, tu te le mets dans la poche. Et Yasmine, tu voudrais que... Sakina! Sakina! Ma chérie, ouvre-moi, s'il te plaît. C'est sa spécialité. Elle s'enferme dans la salle de bain. Sakina! Sakina! Écoute-moi, sois raisonnable, il est tard, que vont dire les voisins? Je t'avais dit, elle ne fait qu'à sa tête. Sakina, ouvre la porte, s'il te plaît. Ne te fatigue pas, Yasmine, il n'y a que Nasser qui compte. Que Nasser! Ça, c'est de l'amour, je m'appelle pas Rabia. Mariage d'amour, mariage d'amour. Moi aussi, j'ai fait un mariage d'amour. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Hein? Dis-moi, dis-moi. Sakina, pense un peu à ta mère. Rabia, tu plaisantes? Mariam! Mariam! Arrête-moi cette télé. C'est pas moi qui veux la vie de madame Sikaïna. Va me chercher un marteau. Maman, je rentre à la maison. Voilà, marteau. Chienne, ce n'est pas toi qui m'as fait la voix. Ça. Qui
Peut-être. Il est minuit. En plein couvre-feu, c'est sûrement les militaires. Elle n'a pas fermé la porte en bas. Tu vois, la mienne. Je n'ai plus aucune autorité sur elle. Je vais la voir. Moi aussi, je vais la voir. Qui c'est? C'est Sidali. Qu'est-ce qui se passe, ça va? Oh, tu nous as fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Vous avez entendu? Depuis tout à l'heure, tout le monde vous a entendu. Oh, ça y est. On est devenu la risée du quartier. Vas-y, rentre. Je te l'ai déjà dit. Cette maison me rendra folle. Madame Oslo, je peux vous aider? J'ai toujours tout fait pour que les gens puissent dire, même sans homme, Madame Haussmann a tenu sa maison mieux qu'un homme. Il faut prévenir son père. Mais quel père? Quel père? C'est sa fille, il faut qu'il s'en occupe. Il préfère s'occuper de sa princesse. Oh, ces hommes, ils pensent avoir atteint le ciel en épousant des Françaises. Mais viens, ne reste pas comme ça. Zoe, viens. Dieu est avec toi. C'est de se battre à côté. Mariam. Mariam! Mariam! On va dormir chez moi. Kaina dort avec Mariam. Tu n'as pas l'intention de t'excuser? Si, Darlie, va te consoler. Si ton père était là, il t'aurait écrasé comme un cafard. Je redescends. Bonne nuit tout le monde. C'est Darlie! C'est Darlie! C'est Darlie! Ça va pas, non? Elle s'ennuie déjà de toi? Il préférait passer la nuit! Toi, tu n'as plus honte! Mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont devenues folles. J'y passe aussi, hein. Ne dis pas ça.
يلي حب صلاحه واحد في المية تصيب في عشرته شبعان علاش الناس قباحوا اللي يقول من عندك يا فلان لقلوب قساحوا من الحسود والبغض والنيران قايد مصباحه سبحان الله ما خلق في هذا الزمان يلا يمني وما نسامح لك طول الزمان ما نسمح لك يلا يم ما في كمان تهدر فيا كلام قاصح وتزيد معاني ما نسمح لك عرفك من أهل العديان العباد بحالك جاحوا يا جايح يلا يمني وما نسامح لك طول زماني Si tu n'arrêtes pas, ils vont venir te chercher, hein? Mais monsieur le gardien, c'est pas moi qui chante, c'est la radio. Oh! Kaina, ma chérie, baisse un peu la radio. Comme ça? Arrête ce carnaval! Vous voulez obtenir des cheveux lisses brillants? Utilisez le shampoing clé en patron. Le shampoing clé. Kaina, ma chérie, viens, on va acheter le shampoing. T'as les sous? Viens, mon fils. 9h30, un flash d'information présenté par l'IS. Aïe! Il s'est fait le poteau! Allez, dégagez! Bien sûr, bien sûr. Mais tu seras privé des serres. Yalla yemni ou man samah lik tout le zmane. Man samah lik yalla yem. Ma fi kaman. تقدر فيا كلام قاصح وتزيد معاني Tu prendras ma voiture. Mais tu vas pas conduire dans l'état où tu es? Non, c'est pas la peine, je prendrai un taxi. Zohar, quand la nuit est tombée, les taxis ne veulent pas aller à l'aéroport. On n'a pas idée quand on sait qu'il y a un couvre-feu d'arriver sur un vol du soir. Tais-toi, Rabia, tais-toi. Laissez-moi, s'il vous plaît. Elle n'est pas encore revenue. Ne restez pas comme ça. Va me faire un café. Va! Sakina. 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 Tu es vraiment venu enterrer ta fille? Où est la voiture? Fereda. Ton fils est parti au Brésil, on parlera de ça tout à l'heure. C'est lui qui t'empêche de parler. Zoro, tu peux nous conduire à la voiture?
C'est la Fiat là-bas. Elle est à qui cette Fiat? La voiture de Sakina a été criblée de balles. C'est un accident. C'est pas un accident. C'est notre armée qui lui a tiré dessus. Une balle perdue, brûler un barrage en plein couvre-feu. Tu as peur de dire la vérité? Va chez ta sœur, hein? Voyou. Laisse-la. La paix. La paix! Même le couvre-feu n'arrive pas à vous raser. Mais c'est quoi aussi? Ma pente, que se fait avec ta fille d'or? Son père m'a plaqué. Va te remarier au lieu de traîner dans les rues comme ça. Mariam! Kaina! Madame, tu es venue nous chercher. Tata Ousmane, c'est vrai que maman est morte? Non. Bien. Ton mari est revenu, madame. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui, monsieur? C'est le mari de la madame. Bon, je vais prendre une chambre à l'hôtel. Comment on fait pour l'enterrement? Rends-nous Sakina. Pour éviter les tracasseries, on va emmener le corps directement de la morgue au cimetière. Si j'avais mon arme sur moi, je t'aurais abattu comme un chien. Zorro, ne me provoque pas, c'est beaucoup mieux pour toi. Tu me menaces? De quoi? Bien fait pour toi, monsieur Bouchama. Tu vas dormir tout seul. Saint-Georges? Madame, laisse-moi mes voiles. Et allez, pour rien, pour rien, allez. Et à Blindé, où y'a, et à Omri, où y'a, et à Blindé, où y'a. Oh yeah,
Tu as des poux? C'est le gardien qui m'a donné des poux. Le gardien m'a dit que je pouvais aller dormir au cinéma. Non. Demain, tu n'iras pas au cinéma. Il faut que tu restes ici pour attendre Sakina. Pourquoi? Sakina a des poux, elle aussi? Non. Ah, madame, c'est chaud. Je suis toujours vierge. وما نسمح لك يا نايم ما فيك امان يا تهدر فيا كلام قاصح وتزيد معاني ما نسمح لك عرفك من اهل العديان Merci, monsieur Stoliarov. Ici la maison Bouchama? Non, ici c'est la maison Haussmann.
peuple algérien, au nom de l'armée populaire algérienne, nous déclarons Sakina Fatma Sohra Bouchama, fille de Djilali et de Zohor Osman, née le 1er juin 1968 à Alger et décédée le 29 septembre 1993 à Alger, au volant. Le 29 septembre 1993 à Alger, au volant d'une voiture Golf immatriculée à la wilaya du Grand Alger sous le numéro 55-189-16, a été victime d'un incident terroriste. Le père doit signer. C'est vous le père de la défunte? Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. Donne-moi tes gants, mon frère. Hé, hey, donne-moi tes gants. Hé hey. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a dedans? Non. Et s'il n'y avait que des pierres? Tu as peur qu'on ne te laisse pas quitter le territoire. Ouvre les cercueils. C'est un cercueil plombé, madame, on ne peut pas l'ouvrir. Tu appelles ça un cercueil plombé? Marianne, apporte-moi un marteau, tu veux? Jo! Ton honneur, Djilali, dans la merde! Madame Osman, je vous apporte un pied de biche! Avec nos respects, madame, mais nous avons pour ordre de ne pas ouvrir le cercueil. Qui a donné cet ordre? Les autorités! Quelles autorités? Vous devez vous soumettre au règlement. Djilali, vas-y! J'étais sûr que je vais te descendre, toi et ton bourricot! Désolé, madame, désolé! Vous allez avoir des problèmes, madame. Sors de chez moi! Allez! Ne restez pas dans la rue. Aujourd'hui même. Pourquoi tu fais ça? C'est une mariée qui part.